Bonjour à tous et à toutes, je suis Olivier Bienvenu pour le dernier épisode, enfin dernier chapitre plutôt, de Apollo Justice Ace Attorney. La dernière fois, c'était un épisode pas ouf, pas super, je dirais un épisode de transition pour l'épisode qui s'appelait J'ai oublié, alors que ça fait 2 semaines à l'heure actuelle qu'il est sorti, Volteface Serenade. Il était intense en émotion, certes, mais assez facile. Assez facile au niveau de savoir qui a fait quoi et qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, nous allons nous attaquer au dernier épisode, Volteface et Succession, qui, je pense, et je vais tout de suite mettre une supposition sur ce qu'on va avoir dessus, va nous révéler pourquoi notre cher ami Phoenix Wright a arrêté la profession d'avocat il y a 7 ans. C'est parti, prenez-vous un petit truc chaud, on est en hiver, ou alors on y arrive, c'est le moment, un petit truc à manger, votre feuilleton est là, c'est parti. Alors là, je suis dedans. J'ai pas les mots. J'ai l'impression que ils ont tenté de briser le quatrième mur, ce qui est ma foi fort réussi. Et j'espère que cet épisode va être l'apothéose, le summum de ce jeu. En général, c'est le cas. Ça a été le cas pour les 3 premiers, pour la trilogie. Là, je m'attends à tout. Tout est lié, comme ils l'ont dit, à ce parti. Et évidemment, là, je joue à la manette. Donc, si vous entendez des petits bruits comme ça, c'est la manette. Hein. Ah, souvenons-nous de ce qui s'est... Putain, ça fait d'attendre 3 mois de différence. Ah oui, ça fait un sacré moment. Ah, ce tonton Virgile. Virgile Grimoire. Ah oui, quel homme. Alors, la télé. La télé. Ah oui, où est Phoenix Wright on ne sait pas. Alors, le plus grand spectacle que j'ai trouvé dans le Colisée du Soleil. Ouais. Ah bah oui. The Gaveners. Avec Dorian. Dorian et sa coupe phallique. Qui sont maintenant en prison. Et oui. Plus que 3 jours. Oh wow. La première fois. Ok. Ah bah cool.
Ah bah oui, sûr et certain. Et elle a déjà les billets. Merci. Clic. Clic. Ah, notre cher ami Phoenix Wright. Il était où? Ah, c'est un cadeau, qui se sait? Du... C'est pas bon. Mais c'est pas bon. Bon. T'as fait quoi? T'as fait quoi? Ah oui, ça fait des années qu'il est en mission top secrète. Hein. Des années. Alors. En plus. Mais oui! Bien sûr! Trop bien! Ah, jamais! Ah, tu sais, les Wright, ils ont ce nom de d'attirer tout l'ennui, la misère et tous les problèmes du monde. Oui. Système de jury. C'est-à-dire. Je suis pas bien sûr de comprendre. Encore un nouveau système, mais arrêtez le système, oui, le... Alors, dans le film, c'est Benchheim, je ne sais plus le nom, c'est Bench quelque chose, qui dit que maintenant, pour réduire le taux de criminalité ou les problèmes de procès, un procès doit se dérouler en 3 jours maximum, et au bout du 3e jour, un verdict est rendu, que l'accusé soit coupable ou non. Voilà. Regardez le film Phoenix Wright si vous pouvez, il est très bien. Retranscrit à merveille le premier opus. De Takashi Miike, hein, tiens à le dire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus, la regardez pas parce qu'elle est très vieille, il y a des problèmes partout. Je fais ce que j'ai pu. Oui, le jury, comme on l'entend partout, j'ai envie de dire, voilà, les personnes assises au tribunal, c'est ça. Exactement, ce sont de vieilles personnes. Ah bon? Ah, tu me parles juste de ça. D'accord. Ça explique pourquoi dans les animations de tribunal, lorsque c'est en gros plan avec les personnes qui bougent, il y en a 12. Je suppose. Supposition. Et maintenant, Alexis. Oh. D'accord, d'accord. Donc, en effet, ça peut changer pas mal de choses. Même si un nombre impair pourrait grandement améliorer ce système. Je suis pas la mascotte, en fait je suis le seul qui bosse gratuitement. Et j'aimerais être payé en fait. C'est tout? C'est nul. Ah bon? Bah évidemment. Ils font un benchmark comme ils disent. Le test. C'est pas gentil. Quand ça? Quand ça, mais... D'accord. Oui. Wow, gros test. Ok. Donc un vol, un meurtre, un homicide. Meurtre. C'est plutôt simple. Ah oui d'accord, donc simulation, on connaît le résultat, ok.
Pardon? Ah bah non. Et je... Ah, quoi? Moi? Mais c'est... C'est pas gentil. Mais c'est... Mais t'es un connard. Mais t'es vraiment un connard. Connard, connard enculé. Mais je te déteste. Mais c'est... T'es connard, connard. Salaud. Je te déteste. Je te hais. Toi et toute ta famille. Je te hais. Tellement fort. Pas crevé. Bon, peut-être pas crever, mais fais-toi virer ton train. Ah bah non, t'as pas de travail. Et un accident, très vite. C'est pas gentil. Oh, pauvre petite. Mais j'ai pas envie. Foutez-moi la paix. Oh là là. Oui, bah, je sais. J'ai pas envie. J'ai pas du tout envie. Ouais, trop bien, j'ai pas envie. Je déteste. C'est une lettre. C'est une lettre, oui. Waouh. Ouais. Nous sommes le beaucoup. À vérifier cette information s'il y a une journée mondiale du recyclage du plastique. Ouais. Alors c'est une lettre. Ça c'était une porte qui vient de claquer si vous l'avez entendu. C'est... Oh mon dieu, il fait une tête. On va l'avoir besoin pendant le procès. Je dis ça... C'est une supposition. Hein? Une très très grosse supposition, hein. Tu me fais plus jamais un coup pareil. Plus jamais. Oui. Tu te fous de moi? Ah bah oui, non mais ça correspond, oui. Merci. C'est sympa. Mais comment je sais qui cela concerne-t-il et qui ça ne concerne pas-t-il? Hein? Oh là là, je ne comprends rien. Enfin, je comprends rien. Oui, évidemment. Hein? Faites votre possible, c'est tout ce que je... Et vous êtes... Ouais, tu... oui, tu sais ce que tu fais, très... Ah, allez donc, la simulation est optimum. Et bah, je me cache, je te déteste. Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça, moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Non. Alors. Ok. Ok. Ah bah je me parle. Hein. Ah bah oui. Pardon? Okay. Mais... Quoi? Hein? Ça fait 20 minutes qu'elle est sur le bord de l'écran? Mais vous vous foutez de ma gueule? Quoi? C'est le silence, c'est ça. Oh Dieu, c'est Monsieur Poudbois! Non, Monsieur Chapeau! Ah mince, je crois qu'il est tombé dans les pommes.
slip magique. Ouais. Alors, madame, monsieur, enfin, qui que vous soyez, Rose, machin. Oui. 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 Je m'en sors très très bien. Non, je m'en fous. Le destin. Quel destin. Oui. Oui. On patouche dans la smoule, comme diraient certaines personnes. On va pas y arriver, mais du tout. Waouh, c'était rapide. Qui c'est? Ah, c'est censé être une main, ok. Pardon, qui a parlé? Ouais. Putain, mais nickel, je comprends rien. C'est chaud. Oh la vache. J'aime beaucoup ça. Si tu te reconnais dans cette phrase et que tu as déjà demandé à un de tes potes de classe de passer un mot pour aller pour une fille ou un garçon, mets ça en pause bleue et laisse ton expérience. Surtout si tu t'es fait prendre par le prof qui soit jeté, soit te l'a rendu, soit a lu devant tout le monde. La troisième option, c'est la pire. Et Ramenez, c'est ça? J'ai gagné? Non, pas trop le jeu de mots. Parce que bah, c'est la simulation. Je crois. Je comprends rien. Je sais pas. Je comprends rien. Bon, studio José. Waouh. C'est coloré. Et il y a un meurtre. Oui, c'est un meurtre. Oh, esthétiquement et visuellement, tu sais, c'est la même chose, je m'en fous. C'est beau. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Oui. Ah là là. Oh, quelle peinture. Incroyable. Poisson lune. J'y arrive. Hein? Ah d'accord, non, j'essaie de savoir où se trouvent les bouches. Ok. Oui, ça. Bah, peut-être que ça arrive, hein. C'est... Oui. Oh! Toi aussi, t'es dans la simulation? Ah bah si tu savais, hein. Moi j'ai l'impression que tu manges bien trop souvent. Ouais, d'ailleurs c'est vachement bien simulé, hein, je te le dis, hein. C'est waouh, c'est incroyable. Ah, je suis dedans, mais jusqu'au bout. Ah, c'est une vraie simulation. Joseph Monin. Ah, d'accord. Eh, ça se tient, oui. Ah, cette simulation elle est vraiment au top, hein. Wow. Ah, quelle simulation, waouh. Ah. Faut que je regarde tous les épisodes de comment ça s'appelle, de Monk, pas de Monk, de comment ça s'appelle, Hercule Poirot. Et Colombo, voilà. Et ensuite, je vous dis si c'est vrai.
On va déjà discuter un petit peu, hein. On va parler. On va avoir des informations. Ah, c'est sûr. Ah bon. C'est stupide. Enfin, je crois. D'accord. C'est sa fille. Ah non, les lettres. Ok. Le futur. Possible, hein, très possible. C'était sa fille, ce qui explique pourquoi elle a été arrêtée, blablabla. Oh là là, c'est tellement facile à me dire. Non, mon Dieu. Mais avez-vous pensé au fait que le coupable aurait pu utiliser des gants? Oh, c'est fou, ça. Eh ben. Allez, dis-moi tout, s'il te plaît. Oui. Bah là, elle est bien enfermée, MDR. Si, c'est drôle. Bah elle est... Bon, elle est pas morte, mais elle est quand même... Elle a peur. Parce que ça n'arrive jamais, tu le sais très bien. Je le sais. Ah, évidemment. C'est-à-dire, débrouille-toi, MDR. Le poison n'était pas dans le café. Était-il dans le verre ou dans le... Dans le café. Dans les fèves de... J'essaie de trouver le mot. Dans les fèves de café, c'est pas du tout ça. Vous m'avez compris. Alors. Oh, très belle table, hein. Ce style de table fait dans un tronc. C'est super beau. L'intérieur, par contre, avec les veines du bois, magnifique. Alors, elle a fait un café. Il a bu son café et paf, et il est décédé. Ah bah bledo. Ah non, je me suis dit tiens, la technologie. Ok. Ah bah tiens. Oh là là, mais je ne vous comprends pas. Bon, je voudrais examiner la pièce. Casse-toi de là. Pendant que j'essaye de naviguer avec la souris. Bon là déjà, il y a un tableau qui est caché. Il est caché, pourquoi? Et mon Dieu, ce tableau était en fait un... Ouais? Il me semble... suspect, ce tableau. Il me semble suspect. Waouh, la peinture à l'huile, ces expressions modernes, c'est un petit peu le Picasso de son époque, hein, ses formes cubiques.
cette forme réaliste avec ce poisson globe. Je suis sûr que c'est un autre nom. Ça me fait penser à un poisson globe. Et le tableau. Bah on l'a vu il y a 30 secondes. En effet, c'est étrange. Oh, c'est très étrange. Alors, le café. La tasse de café. Wow. Eh ben, c'est déjà bien. Je fais un début à tout, je pense. Je suppose même. Merci beaucoup. Très très sympa. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une chaise. Bon, évidemment le corps. Hein. Vraiment. Oh, wow. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des peintures. Je cherche actuellement. Bah, la commode? Non, pas la commode. Bon, et ben, on va devoir passer juste à côté. Ça crève les yeux. Ça, c'est ouvert. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est ça. Waouh! Oh mon dieu! Bon bah évidemment là. Oh, c'était une enveloppe! Oh, une enveloppe ouverte et recollée! Oh mon dieu! Incroyable! C'est incroyable du cul! Bravo, bravo! Je ne sais pas si vous entendez le bruit à l'extérieur, mais si c'est le cas, la vie en communauté, comme ils disent. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est un stylo. Wow. Donc une lettre qui était ouverte il y a 7 ans, rangée et puis recollée. Ça me semble évident. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit pantalon. Ouais, non, c'est tout ce qu'il y a. On a des trucs, des machins. Un microscope. Des plans, du bordel. Un très gros bordel. Je voudrais, s'il te plaît-il, Emma, te présenter des choses et l'autre. Notamment, ce tableau. Hein, parce que, regarde, il est beau. Oui. Eh ben, il existe. Hein. Voilà. Maintenant, regarde celui-là. Alors. C'est pas vrai. Ils sont identiques. Waouh. Ce serait compliqué de pas le deviner. Ouais. Mais. Bon, la tasse de café. Mais non, on n'a rien à faire. Non, là, on n'a rien à faire. Hein. Bah, c'est ce que je viens de faire, non? Bah, bon, d'accord, ok. Bon, examinons la tasse. Hein.
que je me démerde. Waouh, c'est une tasse de café. Waouh, c'est une superbe tasse de café. Bon, déjà en 3D, regardez bien, c'est... Mon dieu, c'est magnifique. La 3D dans toute sa splendeur. Notamment cette tache dégueulasse. Absolument pas suspecte. Le Blue Mountain. Un café bleu. Oh. Cette tache est sans doute du sang. Oh. Ah. Sûrement sur... Et ben voilà. Non mais... Très bien. Ok, très bien. Et ben... Oui, c'est... Oui. Oui, ça d'accord, ouais. C'est du sang. Incroyable. T'es sûr et certain que c'est la flatterie qui va me permettre de le madouer? Ah, mais alors dans ce cas, je vais aller gauche, vu que j'ai un pulvérisateur. Non, mince. Ah, je m'ai trompé. Sur la table, ici, la tasse de café n'est pas banale. Waouh. Là-bas, oui, ça arrive, on y est. C'est ex. Ah, ça va là, c'est étrange. Mais pourquoi donc? Il est pas content, hein. Bah ouais, mais c'est un test, une simulation MDR. Je peux utiliser le poison? Non. Bon, bah, tant pis. Non, tes doigts, arrête. Bon, je peux appuyer, je peux mettre le réactif, non? Non? Comment je fais? Au secours, je suis perdu. Ah mais attends, y a pas un truc que j'ai zappé avec toi? Y'a un truc que j'ai zappé avec toi, non? Ah, je le savais. Je le savais. Il résiste très mal à la flatterie, oui. Scientifique. Ah, ah, lol. La science. T'as porté ce qui... la tasse. Idiote. Voici une tasse. Oui, non, ça je sais, mais j'ai... Allez. Ouais. Non mais je... Ah bah voilà. Oui, ça d'accord. La troquinine, oui. Poison mortel qu'on aura trouvé, oui. On y arrive, je vous jure qu'on y arrive. Malheur, oui, malheur à ceux qui la flatte. Ok, 15 minutes. Ah ouais, quand même, c'est long. Oui, on peut virer celui sur un truc empoisonné, c'est... Oui. Ok. Ah ouais. Mais je te m'en fous pas dans la gueule. Alors. Oh mon dieu, je peux faire de pchit. Oh, je peux pchiter. Oh, je vais pchiter. C'est trop bien, je vais pchiter ça, je vais pchiter ça, je vais pchiter ça. Ah, c'est trop bien. Ah.
Bon, Ah, je peux tout pcheater. Oh, c'est trop bien. Je pcheat tout, c'est génial. Je fous le bordel. Ouais. Bon, maintenant procédons de manière. Procédons de manière. Procédons de manière. Simple. Ouais. Mais est-ce qu'il se passe un truc quand je pchite? Non. Actuellement, je m'amuse, hein. Je sais pas si ça se voit. C'est le fun, je cherche un truc. Faudrait peut-être que je zoome. Ah, attends, retour. Ouais. Bah oui. De loin, bon, de loin, mais de loin. Eh bah d'accord. Attends. Quoi? Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est un cadre. Oh mon dieu, à l'intérieur, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose. Ah, c'est un indice subtil pour dire hé, hé, analyse-le. Un 5 x 5. Alors 5 x 5 cm, c'est quand même pas mal grand. Je tiens à le dire, hein. Prenez une règle, vérifiez chez vous. Alors, on va zoomer un petit peu, hein. Très belle modélisation. Oh, une vis. Quelle belle vis. Ah, mais c'est magnifique, ça. La technologie, c'est vraiment trop cool, vous trouvez pas? Bah, une tête. Une photo d'identité. Ouais. Non, mais j'aimerais l'ouvrir, en fait, moi, s'il vous plaît. Comment je fais pour l'ouvrir? Ça va encore me dire la même chose, ouais. Bon, ça me dit encore la même chose. Alors, comment je fais pour t'ouvrir, toi, saleté? Est-ce que si je... Une ouverture, non. Ah. Non. Ah, ah, ah. Non, d'accord. Ok, allez vous faire voir. Je cherche actuellement comment on ouvre. Actuellement, c'est la recherche d'une vie. Magnifique photo, moche d'ailleurs. Alors, comment que j'ouvre cette merde? Comment veux-tu? Bon, comprends rien. J'arrive pas à l'ouvrir. Bon, tant pis. Ça se trouve, c'est pas important. Oui, donc il m'a aussi, pendant que je te tiens, cette enveloppe. C'est une enveloppe. Exact, c'est une enveloppe rouge, oui, c'est. C'est un début. C'est toi qui l'as ouvert, je le sais. Mais c'est pas bien. Un briquet. Ok, c'est pas du tout un briquet. Voilà, la science. Oh là là, c'est la science.
Oui, ah bah oui. Ok, et à quoi ça, sert-il? Ok, très bien. En spectralisateur, oui. À quelque chose. Oui. Tout à fait. Waouh, le futur. Ah. Bah faut tourner des boutons. Non, faut pas tourner des boutons. Et bah ça en fait du bruit. Si je te mets dedans, est-ce que je vois à travers tes vêtements? Spoiler, oui. Un billet de loterie. Oula. Ok. C'est la vue superficielle. Ouais. Mm-hmm. D'accord. Il faut tourner le bitonio. Ça se tient pour le moment. Un peu plus, ouais. Oui. Ah oui, c'est... Ah ouais, c'est... Précision. Alors, un micron déjà, c'est petit. Mais alors, le stade en dessous... Oui, il se passe quoi? Ah, faut que je frotte, ok. Ouais, je frotte. Hein. Et ça permet de fixer. D'accord. Ouh, ça va être long. Ouh, ça va être long. Waouh, ça va être très long. On va s'amuser ce soir. Alors, ok. Ah, là, il y a l'autre truc. Retentez votre chance. Ok. Ah, ouais. Oui, bah c'est bon, c'est que t'as perdu. Hein. Numéro 18, tu as perdu. Oui, bah oui, retentez votre chance. Ok, on tourne, tourne. Épaisseur. Non, c'est tout. J'ai zappé un truc. Non. On voit des chiffres, alors... Non. Non. Ah. Ah. Attendez, y a un bip, c'est pas pour rien, quand même. Ah voilà, j'ai raté ça. C'est bon, je l'ai eu. J'étais juste allé trop loin, je pense. Eh bah t'as perdu quoi. Oh. Quel dommage, vous avez perdu. C'est fou. Donc du coup, l'enveloppe. Ok, et ben on s'amuse. Les gens vont remonter tout. Ok, alors. Voilà. Là, ça commence. Ok. Ouais. Oh là là, quelle activité. Non. Ah, c'est fou. J'aime beaucoup ce genre de choses. Ça me fait penser à un truc que j'avais quand j'étais gamin. J'ai plus le nom.
T-T-T, et là il y a un T sur certains. $100,000, 100,000 euros. Une usure passe du truc. Monsieur Joseph Monin, j'ai fait virer $100,000 sur le compte indiqué. Envoyé un reçu une fois le transfert confirmé. D'accord. Et bah putain, $100,000, ça fait pas mal de thunes. $100,000, moi je suis content. Il y a une deuxième page. D'accord. Et bah qu'est-ce qu'on s'amuse, bordel de merde. Gros fan. Toi aussi apprends à lire le courrier de tes parents grâce à la machine et la spectrographie rayon X de Emma. Produit officiel Apollo Justice. Grâce à ça, tu pourras toi-même savoir ce que les profs ont mis dans ton bulletin de notes. Et tu pourras mentir et aussi découvrir leur code de leur carte bleue pour acheter un max de V-Bucks. Le spectrafion à rayon X pour petits et grands. Bon, évidemment, ne faites pas ça. Signez les papiers à recevoir dans l'enveloppe. Alors, signez les papiers à renvoyer, oui, dans l'enveloppe originale. Avec le timbre original, sous 3 jours, et bien entendu, Motus et bouche cousue. Emma, tu me caches des trucs. Oh oui, oh là là. Ah oui. C'est donc du chantage, je pense. Quoique non, c'est débile. Il était écrit il y a 7 ans, exactement. Ou alors c'est un piège. Je trouve que c'est un piège. L'enveloppe a 7 ans, mais... D'accord, bon, bah, dis-moi si j'ai tort. Bah évidemment qu'il nous cache. Bah évidemment, c'est un test. C'est des trucs. Oh, c'est bon, on a fini. On peut se casser. Alors, car il paraît qu'il serait témoin... Oui, d'accord, très bien, merci beaucoup. Son visage, oh là là, mais son nom par contre... Torial. Waouh. Torial. Évidemment, c'est le singulier du Torio. De taureau. Un Torial des taureaux. Évidemment. Je suis drôle. Ah. C'est tout à fait étrange. Ah là 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 là. Ah, ce serait vraiment incroyable si je pouvais savoir où il se trouve. Ah mais dis donc, c'est pas vrai, un magicien. Et bah parfait, et bah go, hein, on y va, tout va bien. Oui, alors, c'est la carte, parfait, carte de Torial. Alors regarde un peu la carte avant, Torial. Éditorial. Ah, j'ai rigolé. Je devrais pas. Éditorial. Bravo. Bravo la localisation FR. Bravo. Oh merde. Ah, au secours. Ouch. Ah, je viens de me faire une crampe. Ah. Ah putain, faut pas me faire rire comme ça. C'est quoi derrière? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Grosse récompense en échange d'informations. Oh mon... Ah, quelle tête. Oh, quelle tête, quel homme. Ah, j'aime beaucoup. Je suis tombé sous le charme de cette caricature. Magnifique, incroyable. Pendant ce temps, quelque part,
Oui. Le meurtre. Et oui, c'est fou ça. Et bah, go. Ah mon dieu. Et qu'est-ce que se passe-t-il là? Mais c'est force jaune. Pardon. Et bah, ça va, écoute, hein. Ah, tu es contente. Oh là là. Je suis force jaune magique. Du coup, c'était dans quel. C'était dans quel. Dans quel Power Rangers qu'ils font de la magie. D'ailleurs, c'est un des rares trucs Power Rangers que j'ai pas aimé. Si toi aussi tu regardais les Power Rangers, mets un pouce en l'air et dis-moi en commentaire c'est quoi ta partie préférée des Power Rangers. Sachant que maintenant il y en a beaucoup trop. Et qui rajoutent des trucs et des machins pour rajouter des saisons. Alors, on se souvient de. C'était quoi déjà? Samurai, Super Samurai, Ninja Steel, Super Mega Ninja Steel, Super Mega Force, Mega Force, ouais, c'est ce genre de truc nul. Qui fait que bah. Bon, bah, les idées, écoute, on les met à la poubelle. Ah oui, à papa. Attends. Ah oui, Zachary Grimoire. Oh, très beau. Il est décédé. On sait plus, je me souviens plus comment il est mort. Au secours. Ah, c'est très humble de sa part. Oh oui. Oh oui. Ah bah, moi aussi. Bon. Parlons un peu de toi, Melchior. Enfin, ton mentor plutôt. Je suis perdu. Je suis en train d'être perdu, au secours. Help me. Le cosmos. Ah bah, un peu. Un tout petit peu. Non. Le dis donc, c'est pas gentil. La loi, oui. Ah. Mais 17 ans, mais ça me rappelle quelque chose, dis donc. Mais ce. C'est une sacrée coïncidence. Mais dis donc. Qu'est-ce que c'est? Ok. Alors ça je connais, trop bien même. Merci, d'ailleurs merci Disney. Hein. Ok, oui, d'accord. Ok. Wow. Oui, il est disparu. Ok. Oui. Ça je ne le savais pas par contre. Et ben on en apprend tous les jours, hein. Je savais pas. On apprenait quand même des choses sur la loi, c'est sympathique. Bon, bah écoute, c'est très bien. Dis-moi mon petit Virgile. Virgile, est-ce que ça te parle, cette carte magnifique, hein, avec ce superbe autoportrait de toute beauté? Oula, je crois que tu as ramé. Toriel, le Toriel.
D'accord. Et bah... Ouais, je crois que ça rame un tout petit peu. Ça rame même plus qu'un tout petit peu, j'espère que... Oula, oui, ça rame... Je crois que ça ralentit. Au secours, émulation. Ne me déçois pas. Et bah, d'accord, ok, très bien. Ah, c'est-à-dire. Oui. Oh, d'accord, d'accord, d'accord. Et ben, ah bon, bah d'accord. Et ben c'était ben, et ben je pars. Hein. Je te laisse dans ta colère. Bon, comment je reviens? Oui non toi je te parle même plus. Non je veux. Au revoir. Hein. Alors. Oui c'est ça. Ah. D'accord. Oui, bah c'est ça. Et bah d'accord. Donc il y a un truc que j'ai pas fait. Il y a quelque chose que j'ai pas fait, quelque chose que j'ai pas fait. Il y a un truc que j'ai pas fait. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ah, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié un truc. C'est avec toi que j'ai oublié un truc. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai zappé? Il y a un truc que j'ai pas fait. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Je réfléchis actuellement là. Oui, bon, c'est le même texte. Oui, c'est le même. Oh là là, c'est incroyable. Bon. Ok. Bon. Peut-être qu'il faut que je passe ou faut que je parle, faut que je lui parle. Un truc que j'ai pas fait, c'est pas possible. Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ça me perturbe. Bon, j'ai pas examiné ça. Ok.
que voilà le moment un peu nul. J'ai beau réfléchir et chercher et qu'est-ce que c'est? Non, oui bah c'est le nom de la cliente hein. Waouh, incroyable. Ah bon? Je sais pas. Bah si quand même. Qu'est-ce que j'ai peut-être oublié un truc. Alors là, je suis je sais pas. Je disais pas un truc, ou alors j'oublie un truc. Ah, c'est ça que j'ai oublié. C'est ça que j'avais oublié. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, oublié. C'est ma faute. Tu veux vraiment que je le dise? Non. Mais j'en sais rien. Ah bah oui. Tu veux du voir un peu ce tracé. Ah mon dieu, des révélations de vieux d'or. Mais je comprends pas. Ah, je comprends pas. Je comprends pas, Scure. Ah bah d'accord, bah qu'est-ce que toi? Enfin, tout à l'heure, soir, je sais pas. Oui. Mais j'en sais rien. Mais qui... Mais pose pas des questions comme ça, je sais pas. Ah bah c'est là, d'accord, c'est... C'est ça que j'avais oublié. C'est ma faute. Donc là je me déplace au centre de détention et là normalement il se passe un truc. C'est un incroyable, incroyable révélation. Ah. Oh t'es laid. Oh t'es moche. Oh t'es très très moche. Oh je suis... Me dis un truc cette musique. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est fou. Ah bah il connaît tout le monde. Oui, d'accord. Oh la vache, t'es lourd. Mais pourquoi moi? Qui c'est le nom? Jamais! Foutez-moi la paix! Parce que... Mais... Ah bah elle était là. Editory. Oui, en plus d'avoir un nom assez drôle. Bah tu... Putain, ça me fait penser à Bob l'éponge. Mais alors, comment vous dire il faut avoir de l'imagination.
Mais évidemment qu'il doit savoir quelque chose. Oh là là. Alors, éditorial. Oh là là. Et ce fameux éditorial. C'est moi qui fais l'interview. Ouais, non. Qu'est-ce que toi? C'est vrai qu'il pose des questions aussi. Peut-être que ces citations existent en vrai dans des films, dans des bouquins, dans des séries. Je ne sais pas. Ah bah... certainement. Bah oui, pour faire la promo de leur film. Ah, d'accord, donc tu me sers à rien. Je sais même pas de quoi tu parles. Je comprends rien à ce qu'il me dit. Au secours, aidez-moi. Help. Help me. Aidez-moi, au secours, il est fou. Ah mais c'est une très bonne question. C'est comme je sais là. Oui. Ah bah non. J'en ai marre. D'accord. Ils m'ont des oreilles, des yeux. Bon bah là effectivement effectivement. Ah bah oui, vas-y, ça va me faire rire. C'était hier en fait. Ouais, ouais. Ouais. Hein? Oh, oh. Mais c'est intéressant ça. Ah, mais dis donc. Mais dis donc, dis donc. Oh, mais toi, t'es un génie. Mais toi, t'es un génie, putain. Oh là là, je sais ce qui se passe. Oh, je sais ce qui se passe. Emma. Emma. Pardon. Emma. Emma, je vais te casser la bouche. Oui, et alors, il a été volé, n'est-ce pas? Hein, allez, à vous. Ah, quel dommage, je m'en suis rendu compte. Oh, oh, ce qui explique pourquoi il ne voulait pas être découvert. Ça explique bien des choses. Tiens, tiens, tiens. Des copies, je le savais. Hein. Ah. Ça se voit en fait. Oui. Ah bah évidemment, c'est du Russell, je crois. Ah oui, illustration vrai métier, et derrière, hop là, tu finis tes fins de mois en étant faussaire. Mais dis donc, mais c'est que t'as une idée géniale, toi. C'est ce qu'on dit, en effet. Oui, c'est ce que tu viens de dire, en fait. Ouais, je sais, tu le répètes, tu te répètes aussi. Oh là là, Emma,
Oh, j'aimerais bien que tu me aides dans cette affaire incroyable. Par exemple, pourrais-tu me dire si ce tableau, eh ben, il est vraiment incroyable? Oh, pour cette fois. Oh. Alors, toi, en premier. Traitement de la peinture. Oh, ça diffère. Ça, c'est beau. Donc, ok. Et donc, je suppose que ce trait, c'est le. Enfin, ah oui, vous ne voyez pas, mais à partir. Voilà, pas d'ici. En fait, j'ai dans l'idée. Bah. Ah, d'accord, il est là. Qu'à partir de ce trait noir, là, où je suis, c'est à ce moment qu'il a décidé de repeindre par-dessus. Au stylet, ça doit être passionnant. Ah bon, la souris, c'est un autre. C'est autre chose. Ah, je distingue un truc. Qu'est-ce que c'est ? Une partie de carte. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Une partie de carte. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Eh ben, dis donc. Ouais, c'est-à-dire. Oh. Ça se tient. D'accord. Bon, bah d'accord. Je réfléchis. Ah là, c'est incroyable, c'est cette technologie du turfu. T'es fou. Ah putain, puis même ça, ça diffère des tableaux. Ouais, en fait, la partie de poker, ça m'a ça m'a pris par surprise, ça m'a rappelé la première affaire. On dirait une maison. Une maison en feu. Attendez, il manque un bout. Je sais pas ce que c'est. Une. Ah! Une personne qui promène quelque chose comme. Un stand de nouilles. Deuxième affaire. Et ça serait quand même marrant si la troisième peinture, ce serait une personne qui vole ou un spectacle ou quelque chose comme ça. Et ça serait quand même incroyable. Ah, est-ce que, dis-moi. Non, faut pas sortir. Ça, c'est marrant, on dirait une scène. Oh, on dirait un guitariste sur une scène. Ah, oh, bah dis donc. Et c'est fou ça. Oh, c'est incroyable ça. Une personne qui joue de la guitare et on dirait que ça prend feu et elle est sur un truc surélevé.
Moi, je sais. Une partie de poker. Un homme qui porte un stand. Et un guitariste. Non, le dieu, mais c'est à travers le son de vous gueulera, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais comment se peut-ce? Pardon. Merci pour ce moment. Ah là là. C'est incroyable tout cela. Et c'est à suivre dans la prochaine partie. Bon. Je vais dire ce que je pense. Je vais dire à la fin. Pour le moment, ce premier épisode, très sympa, un peu long. Une simulation. Bon, déjà, parlons du début. Parlons de la petite séquence d'intro. Très quatrième mur qui brise, qui te parle à toi plutôt que à Apple Justice. Très cool d'ailleurs. Bon, je me suis perdu un moment parce que j'ai oublié de montrer une preuve à quelqu'un, mais ça arrive, hein, quand on est perdu, on commence à tourner en rond, et puis après, si on ne trouve pas, eh ben là, c'est terminé. Et le coup des peintures, je m'y attendais pas, mais maintenant que j'y pense, soit c'est une simulation, mais genre à fond, et c'est un peu de justice et est en train de rêver. Soit tout cela est organisé par quelqu'un très très proche de moi qui sait ce que j'ai fait, qui est au courant de tout. Je fais des clins d'œil. Je ne vais pas dire son nom, mais je le pense très fort. J'attends de voir la suite, mais non. Il y a un effet de surprise là qui c'est dommage. L'effet de surprise est raté pour le moment. Il est raté. Si c'est ça, c'est dommage. C'est un pétard mouillé. Sur ce, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous ait plu. Je vous invite, comme pour toutes les vidéos, si jamais vous voulez la suite et ne pas la rater, ou bien si vous aimez les vidéos que je produis, eh bien à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, un commentaire, à regarder un peu ce que je fais d'autre, les autres vidéos, à me suivre sur le Twitter, sur le Instagram et tout ça. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Apollo Justice Ace Attorney.